Cette actrice sera bientôt de retour dans l'une des séries à succès de Netflix. À la fin des années 90, elle incarnait un rôle central dans la série culte Stargate SG-1, l'avez-vous reconnu? Depuis 2019 dans Virgin River, que certains considèrent comme la meilleure série romantique de Netflix, elle prête ses traits à Muriel, une femme attachante qui aime passer son temps libre à jouer aux cartes avec ses amis. Son interprète, l'actrice canadienne Teryl Rosery, n'est pas une novice dans le monde de la télévision. Elle a même grandi avec nous, puisqu'entre 1997 et 2004, elle apparaît régulièrement dans la série de science-fiction Stargate SG-1 en tant que Janet Frazee, l'officier médical en chef du Stargate Command, chargé entre autres missions de fabriquer des antidotes contre les maladies rencontrées par ses collègues sur les planètes extraterrestres. Ce qu'il faut dire, c'est que l'actrice aujourd'hui âgée de 60 ans a un CV long comme le bras. Teryl Rosery, de Stargate SG-1 à Virgin River originaire de Vancouver, Teryl Rosery est à la fois danseuse, animatrice de radio et actrice de télévision. Son talent sur les parquets lui ouvre la porte de nombreuses productions, en jouant notamment dès l'âge de 13 ans dans la comédie musicale Bye Bye Birdie, 1963. Après avoir accédé à la notoriété en interprétant un personnage régulier de Stargate SG-1, les téléspectateurs la retrouvent dans de nombreuses séries cultes, comme X-Files, Jeremiah ou encore Kyle XY, ainsi que dans de nombreux téléfilms. En 2019, elle revient sous le feu des projecteurs en intégrant le casting de la série populaire Virgin River, un personnage que les fans n'ont pas tout de suite porté dans leur cœur. Virgin River, que se passera-t-il pour Muriel dans la saison 5? En effet, Muriel a d'abord été perçue comme une briseuse de ménage en s'opposant à la relation du Doc Mullins, Tim Matheson, avec Hope. Maintenant qu'elle a arrêté de vouloir lui mettre le grappin dessus, Muriel apparaît sous des traits plus sympathiques aux téléspectateurs, allant même jusqu'à devenir une habitante de confiance à Virgin River. Plus étonnant encore, elle se rapproche de Hope, sa rivale de toujours, avec laquelle elle parvient désormais à tisser des liens d'amitié. Pour voir cette amitié s'épanouir davantage, rendez-vous à l'automne 2023 pour la saison 5 de Virgin River sur Netflix. Mais aussi surtout, pour assister enfin au mariage de Jack et Mel. Article écrit en collaboration avec Cimedia.